Ah Damien. bon? Oui, pendant le Ah Wakama, oui. vie, elle est bloquée Pendant le partout même. Wakama vie. Si, le nom même. Regarde le nom. Donc, Elle le nom là. Oula, j'ai un métier. Le média. Oh, vraiment. On est Pendant que là. Bibita, elle passait. En même temps, je vois là, j'entends un beau baraba de Daniel là, tu es bloqué. Yasmine, tu es venue, mamie, c'est moi, je ne savais pas. Hein. Oh, moi, je vois pas tout ce qu'il y a encore là-bas. Je dis Dali, je vois là-bas le Dali. Dieu, Seigneur. Ne fais pas de plaies, mais fais pousser seulement. Oh. Excusez-moi, là, je vais une petite musique de Mewé et puis on va revenir. Voilà, OBG, je vais jouer ça. OK. Petite pause. Dani. Oui, je suis là. Voilà, ma personne personnelle. Tu as Oui. l'honneur sur l'écran de l'infalsifiable. Parce que pour moi, tu es une personne, c'est vrai, souvent, on est sur TikTok, on s'amuse, on est là, on est tous ensemble parce que nous sommes tous des. Mais tu es une personne très sérieuse, en fait. Et j'ai appris à te connaître sans t'avoir vu physiquement. Tu es une belle personne. C'est-à-dire que tu es une Oh, belle merci. personne qui est toujours prête à aider son prochain. C'est-à-dire que quand tu entends que quelqu'un est un petit bobo seulement net, tu as mal. C'est comme si c'est ton propre parent, mais ton propre enfant. J'ai fait cette remarque-là. Tu as tellement un grand cœur. Franchement, vraiment, que Dieu fasse que ça soit toujours comme ça, quoi. Parce que là, vraiment, je t'ai connu sur TikTok, j'ai vu comment tu es. Puis, pas avec moi seul, hein, parce que souvent, il faut s'ouvrir pour pouvoir souvent aussi connaître d'autres personnes. Tu es tellement. Non, tu as un grand cœur. Tu as vraiment un grand cœur. Merci. Voilà, que Dieu Merci, ça me va droit au cœur. te dise. Tu as mon coup de cœur, quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bon, merci. Franchement. Merci, ça me va droit au cœur. Personne, on peut avoir un aperçu d'un peu de comment la personne est à travers ses différentes réactions, à travers sa manière de parler, tout et tout. Voilà, donc, ouais, moi je suis d'accord, c'est vrai, tu es une belle personne. Tu es une très belle personne d'ailleurs. Tu es là, tu es toujours là pour aider quand il le faut, en tout cas, ou bien quand tu le peux. Voilà, tu es vrai, tu es entier. Voilà, donc. On peut pas parler de la perfection de l'homme parce qu'on a tous nos défauts, mais le plus important, c'est surtout notre qualité. C'est que ça ne doit pas empiéter. Et les défauts ne doivent pas vraiment retenir. Bon, en fait, ça ne doit pas empiéter sur la qualité de l'être humain. Voilà. Donc, on a tous des défauts, mais on a aussi beaucoup de qualités. Donc, moi, pour le peu que j'ai pu voir, tu es entier, tu es toi-même. Tu dis ce que tu penses, et puis voilà, n'en déplaise, mais tu es vrai. Tu es vrai. Donc voilà. Donc un peu, on fait un peu. Bon, voilà bon, enfin, mon appréciation sur la personne que tu es. Voilà. Et merci d'être Vous allez là me pour ta faire petite pleurer ce sœur. soir. Merci d'être là pour ta petite sœur. Ouais, malgré tout, ben, tu es resté là. Tu l'as soutenu, tu l'as aidé, et auxquels d'autres même ont essayé plus pendant des années, même sans rien le faire, mais ils viennent avec eux-mêmes eux, entièrement leur vraie personne, et puis ils arrivent à changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc voilà, peut-être toi et Bon Boy, voilà, vous apportez peut-être ce plus-là, ce qui fait que ce prix-value-là à sa vie, et voilà. Donc vraiment, moi je pense que continuez comme ça, continuez de l'aider, de la soutenir, c'est votre petite sœur. Elle va par moments trébucher,
Mais si elle a ses grands frères sur qui s'appuyer, sur qui compter quand pour la relever, lui dire que c'est vrai, tu as fait ça, c'est pas bien, mais tu es ma personne, tu es ma petite soeur, je t'aime avec tes qualités comme tes défauts. Voilà. Donc je pense que elle a trouvé peut-être de bonnes personnes sur qui compter. Voilà, merci encore pour ça. Je ne m'y attendais pas, ça me va droit au cœur. Oui. Ça me va droit au cœur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Et tout ce que je peux dire, c'est que il n'y a que. Les gens vont dire que je suis pasteur encore. Non, mais c'est comme ça, tu viens, c'est tout toi, hein. Il y a la foi, il y a la foi qui permet tout, en fait. Il y a la foi qui. C'est-à-dire, la foi, c'est comme. C'est comme une boussole en fait. C'est au regard de ça que on essaie toujours de rester sur le droit. Je suis quelqu'un de très palabreux. Et ça, si je le dis pas, les gens vont pas croire. C'est-à-dire que mes frères le savent. Dans le passé, j'étais très très bagarreur, très bagarreur. Et je pense que il y a des choses qui permettent de pouvoir savoir si on a changé ou pas. Et aujourd'hui, quand je vois que je suis un peu insulté, acculé et tout de partout, mais que je comprends qu'en réalité, il y a eu Dieu a fait un grand changement dans ma vie. Donc, si aujourd'hui je suis peut-être quelqu'un qui a apprécié, moi je ne peux rendre toute la gloire qu'à Jésus, quoi, parce que c'est lui qui transforme vraiment, en fait. C'est lui qui transforme vraiment. Et il n'y a pas que moi, il y a toutes ces personnes à la bourgeoise, vraiment. Moi, je sais pas si tu parles de moi, mais n'oublie pas que quand on parle de bonne humeur, quand on parle de joie de vivre, quand on parle de bons conseils, quand on parle de je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a ce genre de personnes avec qui on n'a pas envie de rester trop longtemps, pendant longtemps, vous voyez. Mais il y a ce genre de personnes dont on aime la présence, dont on aime vraiment c'est-à-dire quand la personne est là, il y a ce soupçon-là de sérénité, parce qu'on sait que on sera dans la bonne humeur, on sera dans la joie. Et c'est très rare. C'est très rare, en fait. J'aime, et franchement, Effectivement. là, je veux te ramener ça. Je sais que tu prends beaucoup sur toi pour ne pas rentrer dans certaines choses, pour ne pas engager des combats, parce que tu te dis que ça vaut même pas la peine. Et c'est tout à Effectivement. ton honneur, tu es une très, très, très bonne personne, dans le sens où tu fais attention à ne pas heurter, attention à ne pas faire mal. Tu as la patience. Tu es un symbole de patience pour moi. Franchement. Ouais. Tu es un symbole de patience. Donc, je te ramène ce compliment-là. Une très bonne personne à côtoyer. Tu rends la vie plus facile, en fait. Avec toi, la vie Merci est encore. plus sereine, plus paisible, plus voilà quoi. Aïe, aïe, En tout cas, il faudrait que chacun une bourgeoise dans son sillage. Il faudrait vraiment. Effectivement. Souvent, c'est les circonstances de la vie. J'ai pas toujours été comme ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu étais beaucoup bagarreur, tout et tout. J'étais comme ça aussi. Moi, je donnais rendez-vous pour aller faire palap. Oui, je donnais rendez-vous. On dit caca sport là. Moi, j'ai grandi à ça. Hein. Tu fais chose à tes et d'autres même. C'est quand même c'est difficile. Mais en tout cas, mais je pense bien que c'est après le décès de ma petite soeur là que je me suis remise beaucoup en cause. Ah, J'étais tu veux quelqu'un de difficile. un Voilà, ça a été un déclic, déclic. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'étais rancunière. J'étais grincheuse. Tout le temps énervée. J'étais truc. Et c'était un peu. En tout cas, franchement, moi, tout ce que je peux conseiller à certaines personnes, c'est vrai que les rancunes n'en valent pas la peine, quoi. Parce que c'est quand tu perds un être cher, quand tu perds une personne, sans même penser que cette personne est partie, sans te t'avoir pardonné, n'y a rien de plus douloureux que ça. Ah oui, ça, N'y a rien de.
Je comprends maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Force. Je comprends maintenant que tu sors cette force parce que ça a été pareil pour moi. Moi, c'était ma grande sœur, la seule fille de. On est quatre garçons, une fille, et c'était la première, Ruth. Et son décès m'a fait relativiser parce que j'ai compris que rien ne vaut la paix, en fait. Rien ne vaut la paix. Tant qu'on est en vie, il faut vivre utile, en fait. Il faut vivre. Parce que c'est différent quand, par exemple, moi, dans mon cas, c'est au fur et à mesure, la vie continue, on garde espoir encore. Après, c'est des rechutes. Et au finish, on se rend à l'évidence que rien ne vaille la peine. Besides, vivre pleinement et puis être heureux, quoi. Oui, être oui. Heureux. Donc, en fait, après cette expérience-là, je n'aime pas dormir fâché. Ou bien je... En tout cas... Quand il y a un truc, je préfère te dire, si tu m'as blessé, je te dis, ah, que ce soit hier ou bien avant-hier, en tout cas, tu as fait un truc, ça ne m'a pas du tout plu. Je veux toujours, parce que pour ne pas qu'il soit trop tard, j'ai toujours ce ressenti-là, quoi. J'ai toujours ce ressenti de vouloir arranger les choses, parce que pour moi, je me dis que la vie est tellement courte, il ne faudrait pas que soit quelque chose arrive, ou bien quelque chose m'arrive, ou bien quelque chose arrive à cette personne-là, sans que cette personne-là m'ait pardonné, ou bien sans que j'aie demandé pardon à cette personne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça fait que j'évite, en tout cas, de blesser les gens. Je préfère partager la bonne humeur, rire, en tout cas, rire aux éclats. Je ne veux pas être fâchée. Ça, par moment, je n'aime pas ce ressenti-là, parce que quand je me mets trop dans mon coin, en train de trop réfléchir, automatiquement, il y a cette tristesse-là qui vient. Donc, ça fait que je suis tout le temps JM. Mm-hmm. Tu vois un peu, l'exemple que j'ai eu est JM. Bien vrai que peut-être on a eu des trucs, mais bon, j'ai parti ici, panel, le Biama, le truc. Franchement, si l'honnête, il va regarder, il va pas me voir dedans. Non, on a eu des échauffourées ou bien on a eu des trucs et puis je vais être animé de cette rancœur-là, en train de bien. Non. Moi, tout ce que je voulais, c'est de régler. C'est de régler le problème. C'est pour cela qu'il s'est excusé d'ailleurs, parce qu'il a vu combien de fois tu es, c'est-à-dire malgré ce qui s'est passé entre vous, tu n'as jamais bien mal, tu n'as jamais participé à son lynchage. C'est pour cela l'autre fois, il t'a dit que bonjour, je vais te parler. Et j'espère que tu lui as donné le truc, hein, parce qu'il doit t'amener. Hein? Tu l'as envoyé? Il a oublié. Il a oublié. On l'envoie ou bien tu me donnes, je lui donne, ça dépend. C'est d'accord, il n'y a pas de problème. Le soir, c'est le panel, je vais le faire. Voilà, le soir, c'est le panel, j'ai oublié. Voilà. Donc, en fait, pour dire un peu que ça me blessait, franchement, de savoir qu'il me reprochait quelque chose. Et puis, toutes les tentatives, tu vois, il m'ignorait, il faisait. J'avais mal. Mm-hmm. Moi, quand quelqu'un. Voilà, je ne sais pas si vous essayez de. Si vous me comprenez. Moi, j'avais mal de voir qu'il était fâché contre moi. Je lui ai posé une question devant toi. Oui, oui. Mm-hmm. Tu vois, donc moi, senti qu'une personne est fâchée contre moi, me boude. C'est-à-dire que sur le côté là-bas, un peu, c'est ma. Eh non, la grande dame. La marraine de la très forte. La mère, c'est demain, une fois dans le mois, donc c'est demain soir à 22h de la France, 20h d'Abidjan, 16h de New York, 13h de Los Angeles. Voilà. C'est demain. Oh là là. Cette femme-là, vraiment. Merci. Elle parle pas beaucoup, qu'elle vient sur le monde là. C'est-à-dire que. Elle est en même temps. Voilà, des inconnus en or. Ça chauffe pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te le rende au centre. Vas-y, elle est prête. Va faire le commentaire en bas. Je suis prête. Ouah! La marraine de la Wakatola TV a dit que. La marraine très très fort, merci beaucoup, 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 merci. Le cadeau d'anniversaire, ça va chauffer demain. Ça chauffe pas. Après, dès les 4. Est-ce que tu as déjà vu? Hé, maman, les kilos. Même les kilos, demain, tu fais le mapuka. Même les kilos, tu fais le mapuka demain, ça sera chaud, hein.
faut qu'on s'amuse, faut qu'on s'amuse, faut qu'on déstresse. Tu vois l'essentiel, les personnes qui doivent dans là. Ah ça. Moi je suis du là haut. Mais moi-même là, je sais pas danser, sinon j'allais danser. Je vais commencer à Danny. Danny. Okay. C'est un pied sec, sec de bonne voyage. Je vais pas rire. Waka TV, Waka TV, comment vas-tu, ma chérie? Elle a Waka TV, elle a. Waka TV a monté depuis, elle savait comment tu vas. Oui, elle parle pas, mais je sais pas, peut-être qu'elle est occupée. Non, ouais, je sais qu'elle est montée. Les vents vont de Waka. Quand ils montent là. Apprêtez-vous à accueillir. Imaginez qui monte pour nous tout à l'heure. Imaginez, je reçois qui? C'est qui? Son éminence. Oui. Monsieur, oui, non, c'est une femme, le grand juriste, non, une grande dame qui va monter. Et c'est de qui tu veux, c'est qui tu vas annoncer? Oh, oh. On va monter, on la connaît, on la connaît. Cliquez sur, oui, vous la connaissez, je vais cliquer sur accepter. Attendez, qui a acheté son corps? Elle a monté, j'espère. Elle est où? Oh, bon, bon, il faut arrêter tête bon, sans céleri là. J'ai pris avoir modérateur comme la voix. Moto, il était dit. Non, elle doit avoir un problème de réseau. Bonsoir tout le monde, avant qu'elle monte, moi, je vais parler. Voilà, moi, mais elle invite. Oui, oui, bon, alors, mais avant qu'elle monte, on a un éminent juriste qui est monté. Je voulais faire son atalakou pour monter. Elle est là, elle est là, la grande dame est là. Bouge, c'est comme toi ici. Elle monte rarement à cause du décalage, mais elle monte. Moi, c'est la première fois. Ah, d'accord. Moi, je monte chez Infalsifiable. Je monte chez toi. D'accord. Bon, je sais, je vais monter aussi. J'étais un peu fâchée avec mon frère, mais ça va. Bon, c'est la première fois. Il y a trois personnes chez qui je monte. Infalsifiable, Serge, John. Oui. Voilà, super. Mm-hmm. Nous, on va quand monter ici. Mais après, tu t'étalages d'horaire, tout et tout. Mm-hmm. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui, bonsoir, monsieur Mamadou. Oh, Baba, moi, je suis monté. Oh, Mamadou. Mamadou avec ses... Non, non, non. Bourgeoise, bourgeoise. Hmm? Oui. Moi, moi, je suis fâché avec toi. Toi, tu es mon associé. On okay. doit. On a un business à créer au marché Gourou. Et puis, tu disparais hier, je t'ai pas vu. On a dit que tu étais en train de faire ça à 2h du matin. Non, non, non. Après, non. Je sais que c'est Ashley qui, qui met ça dans votre tête. C'est Ashley qui fait les trucs comme ça. Je sais que c'est elle. Parce qu'elle, elle n'oublie jamais. Elle n'oublie pas. C'est Ashley, c'est la mémoire de la Wakatolom TV. Elle n'oublie jamais celle-là. Oh, Ashley. Je sais que c'est Ashley qui a dit ça. Tu n'étais pas là hier. Tu n'étais pas là hier, tu nous as manqué. Non, j'ai fait 24 heures de service. Tu vois, non, maman, j'ai fait 24 heures. Donc, quand je suis arrivé le soir, là, je me suis lavé le temps d'attendre tout de Waka. Là. J'ai dit, j'ai dormi. Dormi. Je me suis réveillé à 6 heures. Quand je me suis réveillé à 6 heures, je vais et vois live terminé. Yako. J'ai dit, hé. Hey. À moins qu'il m'envoie. Attends, donc tu es parti, l'écrit n'a pas répondu. Un petit cadeau. Sinon, mais. Bon boy, tu peux me dire allô, allô chérie, et puis je laisse tomber. Mais bon boy, si tu dis pas la wallet du live, je vais danser ma pouca et puis je porte string et là c'est rentré même dans les bouts de Bambara là même. joli garçon qui est en jeune là. Hey, toi tu dis que tu as eu peur de moi, toi là, toi seulement là, même si c'est pour aller même au Bénin là. Ou bien au Togo, je veux partir parce que parmi vous deux là, il y a nous tout même. Aïe! Qu'est-ce qu'on a? Un joli garçon comme ça, c'est comment? En ce moment, je suis à l'église ou bien. Bon boy, tu me réponds. Faut pas looter, faut bon bon boy, pardon. Non, 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 non. Si tu es chaud là, dis à bon boy. En fait, si tu veux pas avoir de soucis, dis à bon boy de me répondre. Sinon, toi là. Toi-même là. Il dit le fils que Dieu, on dit Dieu n'a pas d'enfant. Dieu, bon, nous tous, on est les enfants de Dieu, mais toi, André, que tu es sorti dans ses entrailles. Regarde comment tu es. Il rate, sinon, c'est pas bon. Tout à l'heure, il a dit. Non, les Ivoiriens là, on est jolis, mais non, trop, c'est trop. C'est trop beau. Wow. Mais toi, tu ne peux pas rendre bon jaloux. J'ai vu les jaloux dans les commentaires. Il dit je ne réponds pas. J'ai vu les fâchés. Ne les fâchés. Tu es venu chercher. Je vais donner ta vie. Je vais me calmer. C'est quoi que tu as fait là? C'est un problème. Ils n'ont qu'à enregistrer. Ça là, c'est un problème. Ma fille. Oui, bébé, maman. Est-ce que tu peux remuer un peu? Je vais entendre le bruit. Maman, il faut que tu m'envoies quand même cadeau. Je veux que je sache que tu es. C'est la maman de bonne voix en réalité. C'est sa maman.
Mais ma fille, c'est moi qui dois recevoir les cadeaux ou bien c'est toi qui dois recevoir les cadeaux? Maman, on sait jamais passé mon bébé, je n'ai pas envoyé cadeau, maman, mais j'ai fait un peu pour que tu saches que c'est pas... Livina, tellement elle est fan même de notre frère, elle appelle notre maman. Ah là, ça se brille, là, me fait plaisir. Ah, maman, ça bouge, mais ça bouge, mais ça, et puis j'ai mal à la poitrine. Ne faites le clap, on se mute. On se mute, s'il vous plaît, on se mute, le clap. Maman, quand je fais ça là, ça bouge mes fesses, et puis ça bouge ma poitrine, et puis j'ai mal, et puis comme ça, les gros, et puis j'ai mal, j'ai mal, ça m'étouffe. Donc, oh là, là, il faut aller doucement. Voilà, il faut aller doucement. De toute façon. Non, c'est pas ça, parce que fesses, les gros, gros, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Bon boy, là, il n'est pas gentil. Il va te masser. Mais de toute façon, bon boy, il a un frère, le frère, là, il s'appelle Danji. Lui-même, là. Lui-même, il est mieux que Bon Boy. Hey, maman de Bon Boy, maman de Bon Boy. Ma belle-mère, tu m'as demandé, j'ai fait au moins, il faut m'envoyer demi-fleurs. Pas fleurs, même demi-fleurs. Si c'est demi-fleurs, il n'y a pas. Pas d'eau. Faut dire info. Bon, Bibina, hein, Bibina, je vais t'envoyer. Quand tu vas crier, wouh! Waouh! Ah bon, si elle voit ton beau baba, il est tombé, c'est ça? Non, tu vas crier quoi? Et puis, je suis là, une femme qui a tout ça, elle en France ici, sans copain, sans mari, célibataire, qui va dire non, c'est pas la peine. Non, Bon boy peut pas laisser quelque chose comme ça passer, c'est pas bon. La nature, non, mais Bon Boy, là, si fâché contre lui, il n'est même pas joli, ses lèvres là, même, c'est même plus joli. Non, même, la même nature plus... aura du vide. Bon Boy, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Non, parce que depuis là, non. Bon Boy, reviens ici. Comment j'ai je vous adore. Je m'en à l'hôpital psychiatrique, je m'en mets soin d'abord à l'asile. Il est parti où ils l'ont balancé là, voilà. Non, je m'en vais soigner rapidement. D'accord. Et puis après, à Wakam, on s'attrape. Ok, à tout à l'heure. Le gars, je risque. Mais Doumi, okay, frère, la cola. C'est moi. Ouais, Doumi. Je suis monté pour parler à Mamadou. Mamadou, j'ai une question. Il est mazo. Je m'en fous, Waka. Je suis une très belle femme. Waka, je suis une très belle femme. Je vais t'envoyer tous les numéros de Bon Boy. Divina. Pourquoi tu vas envoyer directement? C'était où? Le terminage. Mardi, c'est quoi? C'est demain? Le terminage là? Oui, c'est demain. Ah, sinon, tu peux faire ça maintenant. Ah, what the fuck, j'entends non, la grande dose, j'entends ce que ma pixou dit non. Mais demain, est-ce que tu seras au terminal? Ah, merci là-bas. Anyway, donc, on parlait de quoi? Oh, la dame est tombée, oh, vraiment. Ma bisou. Mamadou. Je suis un peu mazo et puis j'aime relever les défis souvent. Donc, c'est pourquoi je vais aller vite à l'hôpital, je vais me soigner rapidement là. Et puis, je vais venir. Mais Doumi. Voilà, Mamadou, il est mazo. Tu sais, je voulais lui dire quelque chose. Mazo, quoi. D'accord. Tu sais, je voulais te dire quelque chose. La dernière fois qu'on parlait, on disait qu'on t'apprenait des leçons, là, que tu allais suivre comme ce que Bon Boy fait, là. On dirait que tu as réussi, hein. C'est vrai que tu es au calme. Ça va un les peu, gens parlent, quand ils finissent de parler, tu dis pour toi, au calme. Dans les commentaires, là, les gens disaient, mais il est lucide. Oui. Alors, il a raté beaucoup de choses, on dirait. Non, il était tellement lucide dans son argumentation, mais seulement il n'arrivait pas à dire ce que les gens voulaient entendre. Oh, maman Adja Doukouré, bonne arrivée, maman Adja. Doumi, est-ce que tu m'as compris? Qui est Doumi là? Bon, comment t'appelles? Bonsoir, tout le monde. C'est bon que tu parles. Oh, c'est bon, tu m'appelais par mon nom. Voici nouveau nom. Bonsoir tout le monde. Waka tout le monde. Doumi, c'est quand va moi? Comment vas-tu toi? Ouais, je vais très bien. Je dis pour Bon Boy là, moi je suis prêt à rajouter de l'argent sur Bon Boy pour donner à Goula. Attendez, Bon Boy là, c'est mon Bon Boy qui est. Celui que vous voulez vous débarrasser de lui, vous pouvez.
En même temps, les maquichous. Mais attends. En fait, c'est débarrassé de bon boy ou pied. Il dit il veut soupeser les culs. Il n'a qu'à prendre cuit là. C'est même chose là, non. Moi, il y a pas ça. Bon, écoutez, à tout à l'heure, moi je reviens après. Sinon, mon cigare va se fâcher. Hein. Va dire. Je vais aller à mon avis de fou. Et puis, je reviens une heure de temps. Ok, maman, tu as le cardio maintenant. Hein. Non, il y a le cardio. Après, tu es coqué. Ah. Mais c'est la formation. Oui. D'accord. Vous donnez. Faut appeler ce que tu veux. C'est que si tu vas partir, on va se débarrasser de toi ici. En même temps, Maguichou. Non, bon boy, Maguichou, on se débarrasse d'eux en même temps. Ah ouais, on peut se débarrasser. Tu as tout compris, c'est ça même, c'est ça la stratégie. Voilà. Le voilà. Bon, attends, Boa, tu as bien fait le voilà. Mais tout est du paflotage, c'est du paflotage. Le paflotage. Écoutez, voici ce qu'on appelle le paflotage. Je vais commenter. Je vais rire, mais je peux pas. Non, mais quand il dit ça, là, ça fait mal même. Ça fait mal parce que. Oh. Tout ça, c'est le béret des papatos. C'est le béret des papatos. Mais Waka, toi, tu sais dire béret. Waka, c'est bien dit. Béret, papato, aquani. Je sais pas pour qui. Et puis, je vous ai dit que je fais la Côte d'Ivoire. Je connais, je sais pour. Voilà. Je pense que Chiam, c'est sa langue qui n'arrive pas à faire les pa-pa-pa. Et puis les bas. Il y a trop longtemps qu'il est aux États-Unis. Attends, vous dites quoi, c'est sa langue qui ne veut pas. Le terrain des papatos. Mm-hmm. Ah, moi, c'est pas où ma langue. Kakadé ici. Kakadé. Voilà. Le kakadé chou. Kakadé chou. Les vovos sont représentés actuellement. Donc, on reste ici aujourd'hui ou bien on s'en va à l'autre côté? Non, on s'en va chez Waka. Vas-y, on est mal tombé. Hein. Je viens juste de déposer mon sac à la maison. Je vais faire quelque chose rapidement. Après, je vais lancer. Moi, j'ai quelque chose à dire. D'accord. Vous savez, la Waka TV, c'est une télévision. C'est comme Canal+. Il y a un abonnement à faire. Mm-hmm. Donc, vous tous là, vous êtes en canal araignée. C'est moi seul qui est souscrit à la télévision. Ouais, ouais. Non, Kaka a souscrit. En tout cas, vous devez prendre l'abonnement. Moi j'ai la parabole. Hein. Mais l'abonnement, ça ne passe pas par un chemin. Je suis devant votre nom. Quand vous commentez chez moi, ça ne passe pas par les trucs là. Non, abonnement là, ça passe avec. Si tu as ta carte que tu as reliée à ton téléphone là, où tu envoies les cadeaux là, tu peux. Non, où on paye les cadeaux? Non, je ne peux pas envoyer cadeau. Donc vous regardez le canal araignée. Quand il y a qui ça, la Bible ne croit pas. Donc, quand on va faire le jeu de la bouche, on va retrouver sur Google. Quand on va finir ça, on va faire le jeu des abonnements parce qu'il faut que les gens s'abonnent. Il faut qu'on ait les stickers à la Wakatolo TV. Effectivement. Yeah, on a voir les stickers. Mais là, on fait comment? On va chez toi, ouais. On fait comment? On fait comment? Faut voir chez toi, ouais. Avant-hier. Oui, d'accord. C'est bien, on veut avant-hier. Messenger pour qu'elle puisse faire quelque chose. Non, on est tombé au bon moment parce qu'on était dans un investissement. Comment on dit ça? Investigation. On est en train de faire là avec Sylvia et tout pour découvrir qui est Papa Pissou. Donc dans les commentaires et tout ça, finalement au moment où Sylvia a trouvé, quand les autres on est tombé, j'ai dit c'est tant mieux. Parce que dans les poseries avec elle, tentait de les taquiner et puis leur disait qu'il allait en boîte à 14 ans ou je ne sais quel âge. Et puis elle dit si tu as commencé tôt, et puis j'ai balancé un son et puis elles ont commencé à vouloir savoir qui il est. Donc c'était intéressant quand même. Sylvie a tourné ce qu'elle a pu trouver. Donc, finalement, au moment où on voulait les choses, et puis on est tombé, je dis, attends, mieux, c'est mieux, on va aller dormir en même temps. Il était quelle heure des États-Unis? Parce qu'il y a. Il était 2h du matin chez moi ici, donc il devait être 5h du matin. Ah, il devait être 6h. Donc, moi, j'ai dormi depuis presque 2h. Ah, toutes les informations. 2h30, 3h, chez moi, je me suis couché, bon, dans le divan. Les filles, attends, je vais vous dire quelque chose. Dan, ouvre ton micro. Oui. Papa Pissou vient de me dire un truc, un son incroyable. Ah bon? Apparemment, tu as fait une interview dans le passé de son père. Danny, I love you. Anyway, on va en parler après.
Parce qu'il faudrait que je résume ça. Ma pichou, on ne fait pas ça. Ma pichou, on ne fait pas ça. Il faudrait que je fasse un bon résumé. Ma pichou, on ne fait pas ça. Mon cher, pardon. Hier, en tout cas, ça a été très difficile de le retrouver. Il dit donc qu'il a été ministre pendant deux jours seulement. Mon parrain, ce n'est pas n'importe. Non, et mamie. On parle ça n'importe qui. Ça vous sent quand on parle de Dani, que... ça le bousse. Il dit non, arrêtez un peu. Après, ouais, mais ça je savais pas. Anyway, c'est bon, passons à autre chose. Ma pute, elle parle pas comme ça, mais elle remarque plein de choses. Les gens parlent, faut déchiffrer ça dit. Non mais pas moi, une fois il a dit ça, mais c'était très tard. Hein? C'était très tard dans la nuit. Si il était là, moi, il allait trouver. Il avait dit ça, mais c'était très tard dans la nuit. Très étonné, en fait. En fait, il y avait une discussion sur passeport et autres, et puis les mots. Ah, voilà. Sylvia s'est rappelée, voilà. Mais elle ne se rappelait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, elle a cherché. Mm. Elle a passé au moins une heure de temps à chercher ça. Qu'elle a trouvé là. Oui. Elle a fait une chanson et puis elle a mis le nom là-dedans. Je dis, pardon, Sylvia, tais-toi. Elle dit, c'est la chanson que tu viens de. Le nom que tu viens de mettre dans la chanson, là, Soum Soum, là-bas. Donc, faut te taire. Elle a commencé à rigoler. Donc, finalement. Sylvia était sur le panel aussi. Oui, on était là. Elle était en train de causer. C'est lui-même qui causait avec elle. Il est fasciné. Ça ne chauffe pas, la lionne. On parlait de. Allô, écoutez-moi. Allô, s'il vous plaît, je vais parler à la chantier. Réponds ta femme, vous avez parlé. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Bibina. Il faut dire les jolies femmes, les jolis garçons qui sont là, qui, pour faire rigoler, pour envoyer les gens à l'intelligence, ceux qui ont perdu les intelligents dans la forêt, là, ils n'ont qu'à retourner là-bas, aller chercher. Ici, là, c'est l'intelligence. Maman, on n'est pas ici pour insulter les gens. On est ici pour la paix, pour l'amour. Voilà. Vous êtes d'accord, dis-moi oui. Maman, si vous n'êtes pas d'accord, je vais déconnecter. On n'a pas le choix. On va être d'accord. Oui. Ma belle, c'est vas-y, déclare ton amour, déclare ton amour. Non, mais attends, je vais éteindre ma clim là, parce que ça fait trop de bruit. Bon boy. Il dit, il ne veut pas de moi, non? Non, pourquoi il n'a pas dit ça? Il ne veut pas de moi, bon boy. Il a fait jalousie tout de suite, il veut. Attends, maman, il est pas. Bon boy, un croo. Non, je t'encourage, ma chérie. Bon boy, comment tu peux aimer comme ça? Bon boy, ma love you. Bon, je parle. I love you, là. C'est anglais, non? Voilà. Bon boy, ça suffit largement, bon boy. I love you, là, même. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Bon boy, à la ma future. Voilà. Si tu veux, mais parler en lobby, même. En Dagari, même, j'ai parlé. Bon boy, toi, tu ne sors pas pour me donner cadeau. Bon, dites à bon boy, mais s'il ne veut pas de moi, là, il n'est qu'à m'envoyer un lionceau. Il ne veut pas grand-chose. Il amène un lionceau et puis je ne vais plus parler de lui. Dites-lui, sinon, je vais me vanier le soir, là. Les pompiers vont venir me prendre pour aller à l'hôpital. Je suis en train de vous parler, hein, wakatologue, avec Bibina, avec le beau gosse, là, qui enjaune, là, mon cœur. Toi, là, je te mets, tu dis, tu ne veux pas de moi. À cause de toi, j'ai arrêté la clim, là, j'ai chaud comme ça. Non, c'est bon boy qui m'a découragé. Il m'a dit que lui, il est déjà fan de toi, donc. Non, il n'a pas dit, parce qu'il est méchant, il ne veut pas. Donc, s'il dit, il ne veut pas de moi, là, qui m'envoie un lionceau? S'il m'envoie un lionceau, là, je ne vais plus jamais parler de lui, là, comme ça, mais fais ce que je vais envoyer à Bibina et à puis Bibina, au catalogue, là. C'est toi qui vas envoyer. Là, je vais te faire venir à Lyon, ici, là. Mon lit, là, c'est grand comme ça. Je vais envoyer mon lit, même. Va te monter, le président est tapoté. Ah, Yahweh. Je tapote rien. Tu m'as envoyé quoi, et puis il est tapoté. Envoie-moi. Je ne pas du président est tapoté. Moi, celle de Suga. Tu veux qu'il tape mes fesses? Il fait, papa. Bon boy, il ne m'a pas envoyé cadeau. C'est qu'il est amoureux de moi. Bon boy, dit sa tête. Il est amoureux. Ah. Wakatologue. Bibina. Et tous. Oh là là. T'as vu la marraine Amou t'envoyer. T'as vu le cadeau qu'elle t'envoyait.
Merci. C'est la marraine de Bon Boy. La grande dame l'accepte. Ah là là, Dieu te bénisse abondamment. Oh, merci beaucoup. C'est bon, je parle plus, c'est bon. Je m'éteins. Oh. Ah, Dieu merci. C'est les jeunes garçons en jeûne. Maintenant, c'est ton tour là, demain. Tu vas voir danser ma pouka pour toi. Non, pardon, faut danser pour Bon Boy. C'est lui qui est amoureux. Non, Bon Boy m'a envoyé cadeau. Donc, il dit qu'il veut plus, il veut pas de moi. Je l'ai laissé. Sa pas, maman m'a envoyé cadeau. Envoyé, hein. Il dit c'est de les. Hein? C'est pas lui qui a envoyé. Hein. Ah, c'est vrai. Bon Boy, je suis avec toi jusqu'à la gare. Ouais, non, parce que hier, là, quand Bon Boy m'a appelé hier, il m'a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Je dis pourquoi? Il me dit qu'il y a une dame sur Facebook, sur TikTok, elle me fatigue. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, je ne peux pas dormir. Il dit, je ne peux pas dormir. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Je l'aime plus que l'amour. Je dis, ah bon? Il ne m'aime pas, c'est faux. Je dis, prends la cadeau. Mon frère, pourquoi elle n'arrive pas à commenter? Je suis au courrier avec toi demain. Allez, bon, je toi, beau gosse, là, il est dormi dans le même lit avec toi. Non, toi. Moi, j'aime les skinny. J'aime pas les matos. J'aime les skinny. Ah, mais je vais maigrir. Je vais maigrir. Je vais me diviser en deux. Je t'envoie ma moitié. Je laisse la moitié. C'est bien. Je tiens la route de la table. Tu sais que quand tu vas maigrir, là, je vais aimer les apoutus. Oh bon, bébé, arrête, t'es trop gentil, t'es trop beau. Même, oh, bébé, arrête. Je dis que tu es vaincu au nom de Jésus. Mais pourquoi tous les hommes, toutes les femmes qui viennent ici parler de, je ne sais pas, que ce soit les amis, pourquoi vous êtes gentils comme ça? Mais pourquoi vraiment je vous aime non, ça, de ça, tout mon cœur? C'est pas faux. Oh. On t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, c'est vraiment. Aujourd'hui, là, je n'étais pas bien parce que j'ai perdu ma maman, celle qui nous a pris comme ces enfants-là. Même pas un an, elle est décédée hier. Mais aujourd'hui, je suis montée sur cette planète-là pour ne pas pleurer. Mais l'amour que vous m'avez donné, vraiment, que Dieu vous bénisse. Non, ça, on doit applaudir ça. Dieu met la paix dans votre foyer. La planète. Ah, vraiment. Arrêtez-vous là. Yako. Vraiment, merci beaucoup, Fatou. Vraiment, non, ça va. Merci beaucoup. Puis, Yako, à toi, quoi. On ne savait pas. Et puis, tu es venu là-bas, comme ça. C'est pourquoi Bon Boy m'a dit. Tu as quelqu'un, tu aimes vraiment la joie, tu n'aimes pas. Tu aimes vraiment la paix. On n'arrive pas à commander. Yango, bon internet. Tu n'arrives pas à commander. Michel Amounina. Ouais. Ah, on doit c'est TikTok, je ne sais pas peut-être, mais si maman, tout à l'heure, j'ai commenté. Je vais commenter ce blog. Oh, le commentaire que je voulais faire, même à Madame Amoula, même n'est pas passé. Non, souvent, ça fait ça, souvent, t'entends. Pour moi, il est passé, il a fait espoir pour. Pour toi, il est passé, non? Oh, c'est fatigant. Ouais. Ça dépend souvent quand les gens ont beaucoup de trucs devant leur nom, des trucs devant leur nom, là. Calibronze, comment tu vas, Calibronze? J'ai mis beaucoup de temps à reconnaître ton compte. Nathan, ce compte-là, et ce que je dois savoir c'est qui. Mijas. Ou bien quoi? Voilà, Mijas 77. Vraiment, Fatou, Yako. Bibina, j'ai dit, hein, c'est pas facile. Hein? Mes soeurs qui sont en Bidjan là-bas, là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, je suis ici. C'est pour ça que j'ai dit, je suis la tombe de ma maman. Je vais pas mentir, je dis que la vérité. Mes sœurs, il y a deux qui sont parties à l'église. Elles sont parties à l'église. Elles disent que quand il y a funérailles de les musulmans, c'est pas les problèmes. Mon papa est décédé. Elles ont laissé tout sur ma tête. Je suis partie prendre, en ce moment, j'étais à BNP Paribas. Je suis partie prendre crédit. 6 000 euros. Ma sœur, j'ai payé crédit là, ça finit pas. J'étais obligée d'aller me mettre interdit bancaire. Et puis, ils ont bloqué. Ils m'ont mis interdit bancaire pendant 5 ans. Il a dit, si elle savait même, il n'y allait pas, tout le monde m'appelle. Bibina, moi, je t'aime beaucoup. Tout ce que je vais te dire, tu sais que ce n'est pas faux. Je te le jure. Attends, ma grande Fatou, tout le monde t'appelle là. C'est parce que tu es en France ou bien, et tous sont en France comme toi. Elles sont en Afrique là-bas, mais elles sont en Afrique. Donc, ma soeur, même mon grand frère, lui, c'est un comme Aztec là, tu connais, non? Ceux qui achètent cacao. Aztec, ah, ok. Aztec. Je pensais que c'était Tabastique là. Acheteur de produits. Il achète le cacao. C'est un hashtag. Commis voyageur. Et puis il a faim. Il est venu à Bangourou. À Bangourou, à Imbrekro, il a faim. Le monsieur là, c'est qui gagne là? Il gagne par semaine. Peut-être moi, je gagne même pas par mois ici.
Mais vu moi, je suis en France ici. Il a mis tout sur ma tête. Si je ne fais pas là, mon frère, vous connaissez les Arcans là, ils vont me tuer. Mais moi, j'ai que deux enfants. Je n'ai pas eu beaucoup. J'ai eu deux filles, deux enfants. Donc, je peux pour ne pas qu'on me tue. Donc, tout ce qu'on dit là, je fais. Tout ce qu'on dit, je fais. Même, je vis ici là. Je n'ai rien arrangé. J'ai construit un grand village chez eux. Au village là-bas, c'est là-bas, ils font leurs conneries là. Oui. C'est pas tout, on doit dire, c'est bon. Il y a comme à gérer. Non, je comprends pourquoi est-ce que tu as la joie de vivre là. La bonne humeur. C'est pour ça que quand je viens ici et puis vous me mettez la joie, je vous jure, c'est la tombe de ma maman, je voyais l'argent. Moi, je suis malade, je ne travaille pas. Il faut envoyer l'argent. Il dit que lui, il envoie 40 000. Il dit 40 000, il peut prendre maison à Abidjan. J'étais obligée d'envoyer 250 000 pour que ma grand-soeur, parce que ma maman, avant de mourir, elle dit que je te confie ta soeur parce qu'elle est handicapée. Elle ne peut pas bien marcher. Ma maman, avant de mourir, elle dit que je te confie ta petite, ta grand-soeur amie. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça là ici, même. Les gens entendent. Non, donc, non, c'est juste non, que c'est je suis pas... en train de te libérer. Non, mais, t'es libéré, non, mais... Non, mais trop, c'est trop, mon frère. Je vous jure. Là, là, il y a des gens de ma famille même qui sont là, là. Ils entendent. Si je mens, peut-être, peut-être, il y a quelqu'un de ma famille qui va dire menteuse. Mon frère, je te le jure. Ce que j'ai fait pour ma famille, deux seules soeurs. Au village là-bas, j'ai mis grand maison comme ça. Cette chambre salon. Ils ont bouffé l'argent là, tout. La vieille n'a même pas dormi dans la maison là jusqu'à elle est décédée. Oh. Ah oui, j'ai fait pitié de... Non, franchement, moi je pense que le merci c'est à toi-même parce que t'entendre parler comme ça, je me rends compte qu'en réalité, c'est pas nous qui te donnons de la bonne humeur, c'est toi qui nous ambiance. Oui, et quand je vois particulièrement toi, tout ce que tu vis, que tu es en train de citer là et que tu as toujours cette bonne humeur, franchement... Moi, je ne peux que tirer mon chapeau, quoi. Merci. C'est vrai. Bah, effectivement, tu sais, quand moi j'ai allumé, j'ai compris que c'était un envoyé de Dieu, en fait. Non, les abrons, c'est tous les abrons. Abrons, là, à quand, les abrons, là. Ma soeur, tranquille, quoi. Ça va aller, ma soeur. Ma maman, je suis partie voir ma maman. Elle n'était même pas malade. Mon grand frère est décédé en 2021. Je suis partie, ma maman était là, aïe, tranquille même. Aïe, on a fait bisous et tout. Quand je venais, il paraît que dès que j'ai tourné d'honnête, elle a dit à ma nièce, elle dit, oh, celle-là, elle ne va plus jamais, elle va plus venir me trouver. Et puis, c'est vrai. Maintenant, ma maman, je suis venue 6 mois après, ma maman est décédée. Donc, c'est en 2023 que j'ai pu y aller parce que nous, les musulmans, quand on fait sacré, quand quelqu'un décède, là, il faut attendre moins 41 jours pour faire funérailles. Moi, on dit sacrifice, voilà. Oui. Comme mes soeurs, mes autres soeurs là sont chrétiens et tout ça là. Elles, ce n'est pas le problème. Maintenant, j'ai dit, l'argent que je vais prendre pour partir là, je préfère prendre pour aller donner à mes cousins, mes neveux qui sont là-bas et puis ma seule soeur qui prie, mon grand frère et puis ma seule soeur qui prie là, qui vont faire funérailles. Ils ont fait funérailles là, tout derrière moi. Dans un an là, après 2023, je suis partie. J'ai mis sur mon TikTok même. Si vous partez sur mon TikTok là, vous allez voir un an de maman. Fatou, voilà. Un an là, je suis partie. Et puis, on a fait, je suis partie, j'ai prié si ça tombe. J'ai fait tout ce qu'il faut faire, comme nous, les musulmans. Je me suis tellement libérée. Hey! Mais moi-même aussi, j'ai un côté Koulongo. Ma maman est Koulongo, comme je t'ai dit. Oh. Ah, je suis Koulongo de Bouna. Voilà. Ah, Bouna. Après, bon, du coup, c'est Bouna. Hey. Donc, l'angle, c'est là. Hey. Oh. Voilà, c'est ça. Oh, ma petite soeur chérie. Oui, c'est ouais. Ça. Ta vie, c'est pas pour ne rien que je t'aime de tout mon cœur, tu vois, c'est le sang. Je m'appelle Ouattara aussi. Oh, merci mon bébé. C'est ça. D'accord, ok. Ben, je vais vous laisser, je vais descendre vraiment. Merci de m'avoir écouté. Pour montrer la bonne ambiance, parce qu'on ne va pas te laisser descendre comme ça. Nous, on veut la bonne humeur, on veut la bonne ambiance, on veut des claps, parce que moi... Mais si ça continue comme ça, vous allez me faire pleurer. Parce que... clap, là, ça apporte la bonne humeur. Ça parce que bonne les claps de bon boya. Mais écoutez, c'est pas mes mains qui tapent, c'est les deux fesses qui font pam, 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 pam. Écoutez, s'il vous plaît. Clap. Il y a que c'était les mains.
Non, c'est pas la main. Quelle main? Non, la main ne peut pas faire ça. C'est les deux fesses. Parce que je mets portable là. C'est les deux fesses qui font pam, 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 pam. Mais bon boy, laisse tomber. Bon boy, lui, n'est qu'à aller dormir. Bon boy, il ne veut pas de moi. Laisse tomber. Il va vous voir de toi, choc. Bon boy, même, le problème, c'est que je ne l'aime pas trop. C'est le joli garçon sans protection. Oh, c'est mal. Wow, c'est fort. Ça fait mal, ça fait mal quand même. Ça fait mal. C'est le bon morceau. Ah, c'est vrai là, même. Attends, un coup et puis je me déconnecte pour aller manger. Oui, d'accord. Moi j'aime ça en tout cas. Allons-y. Allez, écoutez. Non, il faut que Waka dit oui. Waka, ok. Ok, j'ai dit oui. Ça fatigue, hein, j'ai mal. D'accord. Ah bon? Ploco placa beurre. Ploco placa, ploco placa. Ouais! Super! Bravo! Super! Et l'infrastructure, celle-là même, qui ne. En tout cas, franchement, qui celle-là même, je n'en dis pas plus. Demain, c'est 20h, heure d'Abidjan. Heure d'Abidjan à 20h, on commence. Heure de la France, en tout cas de l'Europe à 22h. Heure New York, 16h. Heure Los Angeles, 13h. Heure Cameroun, Gabon, si je ne me trompe pas, 21h. Oui, 21h. Super. Oui. Et ce soir, Wakatologue va nous faire un jeu parce que moi-même hier, j'ai beaucoup tiqué. Je n'arrêtais pas de mettre des stickers de la bouche de Waka. C'est trop joli. Est-ce qu'elle n'a pas pris la photo même sur Google? Après, je me suis dit non. Je la sens très crédible dans cette vie. Parce que, franchement, Waka, elle est très crédible. Moi, quand elle parle, c'est vrai. Chacun a ses défauts sur la tête. Mais quand je écoute Waka, je la sens très crédible. Bon, je la vois très mal en train de prendre une image de quelqu'un pour s'attribuer à elle-même. Donc, ce soir-là, puisqu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre que c'est Wakatologue et sa bouche, même moi-même, j'ai beaucoup douté hier. Aujourd'hui, il y a un jeu chez Waka. Après, tout ce qu'elle va faire, on va mettre sa photo dans le moteur de recherche Google pour voir si cette photo-là, c'est vraiment une photo de Google que Waka a. Si la bouche, les bouches qui font les pubs de maquillage, de, comment on appelle, de rouge à lèvres, si on va retrouver. Parce que quand tu prends sur Google, tu mets sur Google seulement, ça va sortir, c'est obligé. Donc, on va s'amuser avec trois ou quatre bouches comme ça, coupées. On va voir si on va retrouver. Alors, je... Attendez, je prépare. Après, je vous dis et puis on lance. Parce qu'il est quand même 23h en France. Il faut qu'on lance. Oui. Ouloulouloulou. Et puis, après, on va faire le... campagne pour que les gens prennent l'abonnement, hein, les bonbons choux, et même si tu n'es pas bonbon choux, si tu apprécies la Wakatologue TV, ben, tu prends tout simplement. Quand tu prends, tu auras le badge de la Wakatologue TV et puis les sticks. Ouais. J'explique que écouter Waka, ça me fait énormément de bien, donc c'est ma manière de contribuer aussi, ou lui montrer que la TV, quand elle s'allume, on apprécie. Donc, c'est un soutien. En tout cas, manière de montrer que Waka, on est là pour toi et puis on aime ce que tu fais. Oui, merci beaucoup déjà à toutes ces belles personnes qui ont déjà pris l'abonnement. Merci, merci. Ça fait plaisir quand tu es à la Wakatologue TV, tu mets les stickers, quand tu commandes, ça sort Waka TV, tu as le badge, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont déjà pris. Quoi, le 007 est là. Le 007 est là. Oui, elle est là. Bibina, mon chouchou est là. Le 007 rentre. Ah, oui, tu dis que le 007 est là, le premier. Tu veux dire, ah, il est là. Oh, mon chouchou. Ah, oui, je viens de le voir. Mon pire, le 007. Il est là, c'est vrai. Donc, je vais lancer. Mm-hmm. Oui, je vais lancer maintenant.
Ok, Wakata. Donc, je vais descendre, je vais lancer, et puis on va continuer sur la Wakata Love TV. D'accord, ok, Wakata. Ok, à tout à l'heure, oui. À tout à l'heure, Wakata. Voilà. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté le live, les tapoteurs. C'est-à-dire que les tapoteurs, comme je le dis très souvent, pour moi, c'est les meilleurs. On vient, on tapote ton live, on fait monter l'audience. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ces donateurs. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des cadeaux. Voilà, les cadeaux, c'est de l'argent. C'est très important. Merci beaucoup à la marraine, la grande dame, Amour, Jardin d'Éden. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci à toutes ces belles personnes-là. Voilà, ceux qui font que parfois, on a pas mal, on a le cœur. Ouais, nous sommes humains, hein. Tout ce qu'on entend, ça nous fait très mal. Souvent, on est là, mais bon. Voilà, ceux qui essaient de t'apaiser. Quand tu communiques avec eux, tu as la joie. Dédicace spéciale aujourd'hui à Fatou Ouattara. Vraiment, tu as mis de l'ambiance. Que Dieu te fortifie aussi. Puis, il y a quoi à toi? Voilà, merci à toutes ces belles personnes. Restons tels que nous sommes, quoi. Voilà, et puis... regardons devant, voilà, nous allons nous référer de notre passé pour pouvoir mieux faire les choses. Donc, merci, merci, merci à tout le monde. Donc, on va se retrouver maintenant chez Waka, voilà, puisqu'elle va allumer la TV. Attends, viens descendre avec ma dignité. Merci les gars, merci, à tout à l'heure chez Waka. Ouais, je te retrouve encore à la cour familiale, hein. D'accord. Je vais descendre dignement. Je ne pas que mon corps tombe. Voilà, la cour familiale, c'est comme ça que j'ai baptisé le panel de Waka depuis le début. Le panel de Waka, c'est la cour familiale, tout le monde s'y retrouve là-bas, comme elle nous dit, la team, la télé, ni team, effectivement, même celle-là, c'est bon, mais tout le monde peut y accéder. Donc, bon, qui veut monter pendant que j'ai coupé le live là? Toi, tu n'as pas bon fond d'air. Pourquoi c'est maintenant que tu fais ta demande? Hein? Tu vas changer quand même. Ça fait. Maintenant que la femme, ta chérie est partie, c'est maintenant que tu fais ta demande. Tu fais ta demande. Mais vous êtes quel pour. Pourquoi c'est ça? Ça m'a fait chaud au cœur. Tout ce qu'elle a dit m'a fait vraiment chaud au cœur. Bonsoir. Oui, bonsoir, ah, la pression. Bon. Comment tu vas? Bonsoir, ça va bien. Ça va. Non, vous êtes vraiment fort. Bon, ah bon? On peut refaire les demandes en un temps record comme ça. Tout le monde attendait. Toujours à gauche comme ça même. Tout le monde attendait. Tout le monde est en train de descendre pour dire au revoir. C'est là toi tu as monté pour faire ta star. Parce que Bibina a dit qu'il veut monter en même temps. Donc je vais. Ah bon, on parle de bon boy. Oh, non, pas de bon boy. Il a trop beau. On dirait que la pression est toute faite. Hein. Pardon? On s'en va là-bas. Trop même. Trop même. On aime fête. Les gens, on n'invite pas et puis coup pour venir dans la fête des gens. C'est nous. Bon, il ne faut pas changer le sujet. Pourquoi est-ce que depuis là, tu étais porté disparu? Question. Question, franchement. Waka a lancé, on part. Bonne oui, Waka a lancé, on s'en va. Il n'y a plus le jeu. Il n'y a plus le jeu, c'est bon boy. Les gars, on descend, on s'en va. Ok, merci les gars. Donc, on va chez notre Waka. Yeah. Ok. Bon, il y a coupé, il y a jeté votre problème. Pardon, vous faites doucement. Non, il y a coupé. Mais Jas, tu t'es oublié sur le panel là. D'accord, ok.